Ça s'appelle le jackpot. Des dizaines d'automobilistes sont rués cette nuit sur une station-service de Carrefour à Sartrouville dans les Yvelines, en cause un bug qui a fait que l'essence était gratuite, évidemment. Ça n'a pas été sans conséquence, Guillaume Bier. Eh non, vous imaginez bien que les premiers à avoir découvert la panne l'ont immédiatement fait savoir sur les réseaux sociaux et en quelques minutes, la station-service a été envahie, comme en témoigne cette vidéo où deux automobilistes ont filmé la scène. Essence gratuite, Carrefour Sartrouville. Il y a du monde, ils ont vidé la station. Ils ont vidé la station, il ne reste plus rien. Voilà, résultat, une pagaille indescriptible entre minuit et 2h du matin. Voilà les mecs, sont contre-sens, tous, la folie. Voilà, des voitures dans tous les sens. Sur les vidéos tournées cette nuit, on voit des jeunes gens remplir à la chaîne tout ce qu'ils peuvent. Des jerrycans, des bouteilles plastiques et même une poubelle. Toute cette agitation a fini par attirer les vigiles de l'hypermarché qui ont appelé la police. Résultat, 6 personnes ont été arrêtées pour grivellerie de carburant. Mais l'opportunité d'un plein gratuit continue d'attirer la convoitise. Sur place ce matin, Chloé Triomphe a rencontré Karim. Il n'a été prévenu qu'il y a quelques heures. On m'a envoyé la vidéo d'hier, comment ça s'est passé. Il y avait plein de voitures dans la station d'essence de Sartrouville. Il y avait du monde et tout. On m'a dit que l'essence était gratuite et tout. Bah, je me suis dit pourquoi pas moi aussi en profiter. Du coup, je suis allé là maintenant, mais j'ai trouvé que tout était fermé. Et c'est dommage. J'aurais bien voulu en profiter. Voilà, dommage pour lui et pour les autres. La station défectueuse est maintenant fermée à la clientèle. Merci Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1.